La princesse Anne a rejoint la reine lors d'une sortie à l'abbaye de Westminster mardi au cours de laquelle elle a semblé apporter à sa mère le soutien moral précédemment fourni par son défunt père, le prince Philippe, décédé en avril dernier. La princesse Anne, 71 ans, a accompagné mardi matin une reine Elisabeth II, 95 ans, des apparences plutôt frêles, à l'abbaye de Westminster pour honorer la Légion britannique. La reine a continué à mener des engagements jusque dans ses années 90 sans aide, mais a attiré l'attention des observateurs royaux à cette occasion parce qu'elle portait une canne. Les fiançailles de mardi ont été l'une des premières sorties publiques de la reine depuis son retour du château de Balmoral à Windsor la semaine dernière et la présence d'Anne à ses côtés était symbolique. À la suite du décès de son mari, le prince Philippe, en avril dernier, la reine aurait réduit son emploi du temps et semble s'appuyer plus que jamais sur des membres plus jeunes du cabinet. Anne est la fille unique de la reine et est connue pour être l'une des membres les plus travailleurs de la famille royale effectuant des centaines d'engagements chaque année. La princesse royale était extrêmement proche du défunt duc d'Édimbourg et aurait hérité d'une grande partie de sa personnalité. La présence de sa fille à ses côtés a peut-être été une énorme source de réconfort pour la reine alors qu'elle affronte son premier hiver depuis la mort de Philippe. Après les fiançailles, la famille royale a tweeté, la reine, accompagnée de la princesse royale, a assisté à un service spécial à @WAB ce matin pour marquer le centenaire de @Poppy Legion. La famille royale a soutenu le travail de la Royal British Legion depuis sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale croisillon RBL100. Alors que le bâton de marche de la reine a suscité des craintes pour la santé de certains fans, le palais a confirmé qu'elle l'utilisait pour le confort. Le correspondant royal des ITV News, Chris Shipp, a tweeté, la reine vue avec une canne alors que le monarque de 95 ans arrive pour un service à @WAB pour marquer le centenaire de la @Poppy Legion.